Bonjour à tous, c'est Ricourade, j'espère que tout le monde va très bien, mon perso, ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette, bien sûr, vous avez trouvé, de Bioconcept. Je vais vous présenter deux produits de Bioconcept. Alors, le premier, on va commencer par le premier parce qu'il me semble qu'il va être vraiment bien sûr. C'est du chewing-gum. Et si vous aimez le chewing-gum, vous n'allez pas être déçu. C'est du chewing-gum. Magnifique, magnifique. On va le faire tout de suite. Et puis, dans quelques jours, eh ben, je vous dirai ce que j'en pense. Mais à mon avis, ça va être canon. Canon. Je pense qu'un et un, vous allez voir. Parce qu'avec deux, ça glisse un peu. Allez, c'est parti. Donc, nous allons le faire tout de suite, le chewing-gum, comme ça, dans 5-6 jours, on pourra regarder ce que ça donne. Donc, il me conseille exactement 45 gouttes. 45 gouttes pour le chewing-gum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30. 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ah oui, j'en ai mis 50, tant pis, c'est pas grave. J'étais pas. Oh là là, sentez-moi ça. Ça a une odeur, ça a une odeur. Oh, magnifique. Le chewing-gum, magnifique, magnifique. Allez, on va mettre notre base. On va vite le laisser reposer parce que ça, c'est vraiment une chose que je suis pressé quand même de vapoter parce que on retrouve une odeur, mais alors vraiment parfaite, parfaite, parfaite. Un petit coup d'essuyage, hop, hop, et voilà. D'autant plus qu'il sera meilleur parce que j'ai mis 50 gouttes au lieu de 45, mais bon, c'est pas grave. On remue un petit coup, un petit poisson qui remonte, super, super. Je pense que le chewing-gum, ça va être super de super de super. Le deuxième. Alors le deuxième est peut-être un petit peu moins connu, mais je pense que ça doit être vraiment, vraiment, vraiment bien aussi. Le deuxième produit, c'est de l'hibiscus. L'hibiscus. Donc, ce que je vous propose, on va aller sur le site de Bioconcept. Nous allons aller sur le site de Bioconcept tout de suite et nous allons voir exactement. Ah, j'ai mon ordinateur qui bug un peu. Exactement ce qu'il en est de l'hibiscus. Mais je crois que j'ai vu que sur leur site, hibiscus. Allez, on va taper hibiscus. Ibis. Je crois que j'ai vu que c'était une variété de plantes, de fleurs exactement. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent sur l'hibiscus? L'hibiscus, allez, 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 dépêche-toi. Oh là 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 là, les gens qui regardent la vidéo, ils vont pas attendre 107 ans que t'arrives. Ah, voilà. Oh là là, joli le fond, l'hibiscus. Alors, l'hibiscus, c'est quoi exactement? Il nous propose d'abord combien de gouttes là-dessus? Il nous propose 40 gouttes. Alors, hibiscus, pour les fabrications de votre liquide avec une base mixte ou neutre. Ouais, d'accord. Arôme de qualité alimentaire, goût floral. Vous voyez, 40 gouttes. C'est un goût floral. Eh, 1,95, les guides 10 millilitres. Eh. Et je vais vous dire, ça sent bon. Ça sent rudement bon. Ça sent rudement bon. Alors là, je ne vais pas me tromper, je vais bien mettre 40 gouttes. Hein. 40 gouttes, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 40 gouttes! 40 gouttes d'hibiscus, on va se régaler avec ça, vous allez voir, c'est moi qui vous le dis, les potos, vous allez voir ça. Hop! Hop là! Hop! Et voilà!
La préparation est toute prête et dans une petite semaine, nous pourrons goûter ça. Ah oui, c'est en train de bien macérer. Voilà, donc je vais les laisser à l'abri, les mettre tranquillement au noir et les remuer de temps en temps. Hein, voilà. Donc, maintenant ces deux produits sont faits. Au fait, je voulais changer mon chloromiseur. Si quelqu'un a une petite idée, qui connaît un petit chloromiseur, alors reconstructible, hein, qui soit pas trop mal, il peut me le dire. Il n'y a pas de problème. Allez sur mon Facebook aussi. Mettez des recettes et on les fera ensemble. Voilà, c'était Eric Ouvap. Passez une excellente journée. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, poteau, bonne journée à tous!